Monsieur, on ne peut pas oublier c'est bon? Le truc, vous donnez ça à monsieur Macron. Bonjour, oh, il y a quelque chose dans le sac là. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous me voyez assez. On peut avoir plus de lumière ou c'est tout? Si on peut arriver derrière. Est-ce qu'il... Voilà, lui là, tout est bien. Oui, j'adore. Et ici, il y a peut-être une lumière parce que je crois que je suis dans le salon de sombre, non? Oui, mais ça va. Ça va, comment c'est très bien. Est-ce que vous voulez vous asseoir là-bas? Allumez ça là, il y a un projecteur là et puis on branche ici juste quelques minutes. Voilà. Alors les abonnés, j'espère que vous allez bien, mes titi boss. Moi, je vais bien. Alors, depuis quelques mois, sur la page où je poste des mois, hein, il y a une dame là, une abonnée, qui est devenue super. Elle a trouvé le moyen de se démarquer. En tout cas, elle s'agite sur tous les postes. Elle partage et tout et tout. Et débranchez, vous allez brancher ici, mon frère. Mais quoi, je ne peux pas parler. Et c'est en direct. Et c'est en direct. Et c'est la direct, c'est quoi? Vous êtes pas trop. Vous m'entendez de mon gueule. Faut dire aux enfants d'aujourd'hui, de maintenant, là. Elle m'engueule, genre. J'ai dit donc, elle s'est démarquée. J'ai dit non, jusqu'à ce que je me rende compte. Mais ça, c'est quel abonné qui est toujours, quel titu boss, elle est toujours sur tous les postes. Elle partage tous les postes. Et ce qui m'a fait rire, dès que je viens en Côte, elle a fait du boucan. Wow, moi, quand je vais voir coach, je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais bloquer, attraper la sécurité là. Quoi, elle a vu les photos du Cameroun. Elle a dit la sécurité là. Moi là, toute seule, on passe se battre. Elle a fait bouger jusqu'à j'ai dit pardon. Un jour, j'ai répondu, j'ai dit ma chérie, tu parles trop. Quand je vais arriver, tu ne pourras même pas parler. Oh non, coach! Elle est arrivée, montrez-la. Elle s'appelle comment? Tu t'appelles comment? Angéline Nguessan. Angéline Nguessan. Je vous dis, viens t'asseoir avec moi ici carrément. Trop de bouche. Je suis arrivée dans la salle. Maintenant, elle commence. Maintenant, je suis en train de poser la question. Il n'était pas vu. Elle dit que non, que là où je suis rentrée, ce n'est pas là où elle était. Et que voilà, et on ne pouvait rien dire. Elle avait poussé. Vous êtes comme ça. Vous faites la roue. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. J'ai dit, moi, je veux te voir. Malheureusement, à la conférence est venue. J'étais au vestiaire. Après, on m'a dit qu'elle m'a attendu longtemps. J'ai envoyé les gens la chercher. Elle était déjà partie. En tout cas, elle n'a pas laissé. Depuis là, elle écrit sur tous les postes. Coach, mon rendez-vous, je vais te voir. J'ai dit ce soir, la chercher là, moi. Emmenez à moi. On a dit, maintenant, on fait la guerre. J'ai dit, explique-moi. Tu m'as vu là, tu as fait quoi? Maintenant, explique. Pourquoi tu n'as pas fait? Tu as dit que tu allais attraper la sécurité ici. Tu allais faire ça. Maintenant, vous mettez trop la bouche derrière les réseaux sociaux. Fais non. Bonsoir. Super fan. Ouais. Vraiment, je suis vraiment ravie de voir maman Sonia. Qui est ta maman? Et c'est ta coach, tu es ta maman. Ouais, la coach Sonia. Mm-hmm. Non, mais c'est ta maman aussi. Oui, oui, tu es. Bon. Oh, tu veux dire. Comment tu regardes? La page où tu fais bouger, oh, tu as fait voir, tu as frappé ma sécurité. Ils sont là. Tu n'as même pas parlé. Quoi, c'est vrai, j'étais là, le monsieur là-bas. Je ne sais pas lui, c'est lui, le monsieur qui est ici. Ah, tu as mon côté, mais il va aller chercher lui, tu sais que quand tu le vois, tu le vois. En fait, oui, c'est vrai, mais j'étais énormément fatiguée. Parce qu'après la conférence, ils sont venus s'asseoir. Il y a d'autres qui ont dormi sur le place, comme monsieur Paul Albon, Ozon. Lui, il parle souvent, mais là, la tête, il dormait debout contre le milieu. Lui, mon frère, il me dit quand tu es fatigué. Tout ça, là-bas, tu es supportable. Dis-moi, tu t'agites sur la page là-bas, pourquoi? Tu me dis Sonia, ce que coach, je dis Sonia, je l'aime tellement. Parce que au fait, c'est une dame qui me fascine tellement. Mm-hmm. Elle est tellement posée quand elle fait ses courses et tout. Donc, du coup, moi, j'aime ça parce que moi, j'aime tout ce qui est tranquillité, la paix et tout. J'aime ça. Donc, depuis, j'ai connu Lady Sonia vraiment. Tu m'as connu, ça fait combien de temps? Je vais dire, je t'ai connu en 2016, je crois. Depuis 2016, je t'ai connu. Mais au fait, je n'étais pas trop les histoires des réseaux sociaux parce qu'il y avait tellement de trucs sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, moi, je me suis abonnée comme ça. Donc, j'étais là et puis il dit, bon, je vois les histoires en direct, mais on ne sait pas. Ce qui m'intéressait, c'était les histoires de, comme vous le disiez, de Kumbo ça et tout ça. Les clashs. Donc, du coup, moi, je vois que c'était une dame qui parlait trop de... comme quoi. Il ne faut pas prendre. Donc, du coup, moi, j'étais quelque part là-bas. J'étais là jusqu'à un, et puis un jour, j'ai vu la vidéo où tu as dit, stop, mon père n'est pas un problème. Mon père n'est pas un problème. Non, c'est comme ça, j'ai vu comme ça. Suivant, donc le jour même, le 30 avril de votre anniversaire, je fais un gros cadeau
J'ai encore une vidéo là où j'ai mis plusieurs photos, j'ai mis des dédicaces comme moi, j'ai publié un peu partout. Et mais j'ai même envoyé ça dans votre WhatsApp plus 41. Elles m'ont promis qu'elles allaient transférer vers vous. Elles n'ont pas transféré. Mais oui, est-ce qu'elles vont transférer? Envoyez-moi les choses. Pardon, du coup, j'ai calé la vidéo sur mon Instagram. Donc, du coup, quand je suis là, je vais regarder. Et c'est comme ça maintenant. Elles commencent à fouiller en profondeur, aller voir vos enfants. Et suis, en tout cas, vos 5 enfants, 6 enfants, je les suis. Ça, c'est quelque chose de fou. Donc, tu as suivi tout. Mais agitation, tu fais surtout. J'ai dit jusqu'à. On est 2 millions d'abonnés, mais elle a frappé mon regard. Mais c'est vrai, quand je fais un peu, je pense que je dis, j'aimerais voir. Donc, elle va toujours avoir un mot qui fait plaisir. Elle va faire rire. Je vais encourager. Oui, je vais m'attendre. Oui, mais attends. Moi, je suis au sérieux, mais là, quand tu ris, seul. Mais oui, mais t'es commandé pour rire. En tout cas, j'ai voulu te faire plaisir. Déjà, tu es la seule, je crois, ici à Abidjan qui va recevoir la première. Je m'en avais pas ramené pour voir. Et ça, c'est la mienne. C'est ma cour de Titubos. Ah, Seigneur! Quand on fait. Ah, oh, mon bif! Et le sac. Ah, Jesus! Prends le temps d'ouvrir. Non, tu as le droit. Voilà, quand on est un vrai abonné de Titubos. Peu importe ce que je fais, peu importe mes erreurs, mes bienfaits, quoi, on reste abonné. Moi, j'aime dans les pays chercher ceux qui m'aiment. Toi-même, au revoir. Comment on reçoit? Vous voyez, avec la compte Sonia, c'est le petit. Aïe! Il n'y a pas de Adam. Attends, tu as vu? Je m'attends à ça, je me suppose. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des fans, des super fans comme ça qui m'aiment, qui me défendent. En tout cas, vous me. Et toi, tu me fais rire. Commenter. Notez son nom, Angéline, bien sûr. Quand je parle, elle a toujours des commentaires, vous allez rire. Même si tu es fâchée, comme elle est toujours là en train de rire, de me. Donc, vraiment, je voulais dire merci à tous les abonnés que vous êtes, à tous mes abonnés hommes, à tous mes abonnés femmes. Dieu seul sait. Vous êtes ma famille. Je vous aime profondément. Je vous aime. Si je pouvais, je vous rencontrerais tous. Je vous serrerais dans les bras. On partagerait des bons moments. Elle est juste, comment on appelle, elle représente, en fait, ce que je pense de vous. Je vous aime vraiment. Et je lis les commentaires. Quand je ne peux pas, c'est vrai, il y a plusieurs abonnés, des admins qui travaillent. Mais dès que je me connais, et vos commentaires, je lis, ça me fait plaisir. Ça m'encourage et autres. Que Dieu vous bénisse. Au travers d'elle, vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de tous mes abonnés dans le monde entier. Vous êtes 2 millions sur Facebook, vous êtes 264 sur Instagram. Sur LinkedIn, on est près de 12 à 15 000 personnes. Vous voyez sur LinkedIn, hein? Mais même pas les choses sérieuses. Sur YouTube. Quand je dis LinkedIn, c'est une page Facebook, c'est vous là. Allez vous abonner à LinkedIn, ça c'est professionnel. Là-bas, on parle business et tout. Quand tu es sur LinkedIn et que tu cherches un travail, les gens, les business maintenant vont vérifier si tu as une page LinkedIn pour savoir si tu es professionnel, ton CV et tout. Vous restez seulement à faire les buzz et les classes sur Facebook, tout et tout. Non. Pensez à votre avenir. 2022, vous devez changer. Créez un compte LinkedIn. Mettez votre CV là-bas. Mettez ce que vous faites, vos réalisations. À partir de jeudi, je vais le faire. Si je ne lis pas, j'ai une question sur LinkedIn, tu vas me sentir. Même non, si tu es élève étudiant, allez vous inscrire là-bas à LinkedIn. Pas rempli, non. Bon, maintenant, tu m'as dit, on passe maintenant quoi. Ah, je suis trop contente. En fait, je ne peux pas comprendre. C'est moi qui je suis contente, mais c'est même pas question. Au fait, quand je venais, je tentais de tous mes mots. Mais du coup, tout est perdu. Tout est perdu. Mais je sais pas. Peut-être quand on va arrêter la caméra. Ça va bien. Rien. Bon, je vais se lever pour terminer. Oh, pardon, c'est qui? C'est maintenant qu'il faut dire. Les gens, toi, tu comprends. Oh non, après, et tout et tout. En tout cas, je suis contente de t'avoir. Oui, c'est hyper, hyper. La première fois, il y a eu quoi, déjà. Qu'est-ce que tu as pensé de la conférence? C'était tellement magnifique. En fait, tous les mots étaient à leur place. Tout était. En fait, je ne sais pas, mais vraiment, je me suis sentie. Au fait, vous allez regarder les images, vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai commencé à pleurer parce que tout est remonté. Et puis, il était là, il me dit tout. La femme s'y touche. Elle touche quelque chose. Mais je ne sais pas comment la définir. C'était bon. J'ai regardé, en tout cas, dit, même si, bon, il y a eu des approches qui sont essentielles. Voilà, c'est là où j'ai mis la ligne. Puis après, ce qu'il voulait prendre, j'ai pris la chance de faire, c'est comme des voix.
comme de l'eau à boire. En tout cas, mes amis, c'était ça. Juste pour dire que je suis très proche de vous. Je vous aime vraiment. Je lis vos commentaires. Et je tiens à vous dire merci pour votre soutien, pour votre humilité, pour votre loyauté, votre respect. J'aime la manière dont moi, mes abonnés se comportent. Je n'ai jamais entendu que mes titubos vont provoquer, vont insulter. Vous êtes toujours en train de m'aimer, de pousser à devenir meilleur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse bien. Que Dieu te bénisse. Elle avait dit que je vais frapper la sécurité. C'est maintenant moi-même qui la tiens. Voilà, donc prends tes affaires. Merci. Allez, fumer. C'est un petit sac, tu fais ça. Faut bien fumer. Bien. Pardon, mets tous tes trucs. Prends tes bagages. Maman, merci beaucoup. Voilà. C'est quoi? Vous entendez? Directement, c'est comme ça qu'elle communique dans les postes. En tout cas, on vous aime. Très fort, bye bye. Nathanaël. Oui, ça où? C'est confirmé maintenant. Elle veut épouser Nathanaël. Nathanaël va péter un câble aujourd'hui. Elle veut Nathanaël. Il va dire. Tu sais comment il parle, mon fils là? Bien sûr. Non, je suis ta belle-mère, moi. Si, je suis ta belle-mère, mais tu vas souffrir. Yeah! Il veut nous épouser. Moi, il fait les parents, je suis guéri. Hey! Ah, Zahé! Monsieur Macron m'a formé, il a dit quoi? Si on fait du sucre, parle de bobo. Belle-mère, maman, je suis guéri. Est-ce qui va épouser mon fils? Jamais. Ah, coach. Est-ce que tu peux le douter? Bien sûr. Mais vous étiez quoi, coach? J'ai dit. Hey. La dot de mes fils. Papa, on va dormir là pour dire. Déjà, mais il y a déjà le passeport. Non, je bouge pas. Monsieur, par contre, venez soulever la femme. Elle parle de mes fils. Elle va épouser qui? Ah. Et la femme va épouser mon fils. La femme va épouser mon fils. Ma maman. Pourquoi vous avez noté ce que tu as dit? Tu vas pas épouser mon fils. Bon, il le pousse plus. Nathanaël, c'est fini. Ah, ouais. C'est mieux. Est-ce qu'on va te soulever? En tout cas, bisous. Bye bye.